Bonjour les amis, ben écoutez, c'est Mamie Python. Voilà, je n'y croyais plus. J'ai eu un problème avec mon incubateur, si certains suivent mes vidéos. Donc il y a Pépette, ma clown pastel, qui m'avait fait 5 œufs. Et l'incubateur a été arrêté pendant 2 jours sans que je m'en aperçoive. Quelqu'un me l'a débranché pour brancher un aspirateur dessus et ne l'a pas rebranché. Voilà. Et sur 5 œufs, j'en ai perdu un quasiment tout de suite. Et puis un deuxième plus tard, que je n'ai pas pu décoller. Et ce matin, en regardant, je pensais plus qu'ils sortiraient, puisqu'ils étaient prévus vers le 27. Voilà, donc nous sommes le 30. Et déjà, j'ai une bonne surprise. Donc, c'est que j'ai un petit clown. Je pense qu'il sera clown Calico. Regardez sa petite tête, ça c'est un clown. Ici, nous aurons un laisseur, peut-être laisseur pastel. Donc, je rappelle, Pépette est clown pastel et Clo-Clo, Calico, laisseur 100% avec clown. Voilà. Donc, je vais procéder à l'ouverture. Je vais ouvrir un tout petit peu plus les œufs. Et puis, le troisième, je ne sais pas s'il va être bon ou pas. Voilà. Et je vais les mettre ensuite dans ce petit récipient avec un sopalin humide. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra, enfin la caméra, l'appareil photo, pour qu'on puisse voir un petit peu. Alors, est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche? Voilà, je vais me mettre à ce niveau-là et je vais essayer de monter les œufs à hauteur pour que vous voyez. Alors, là, on va pouvoir le décrocher. L'œuf qui est plus bon, il est devenu tout dur, l'œuf du dessous. Donc, je vais le décrocher. Si j'y arrive. Voilà. Donc, je m'étais bien désinfecté les mains avant avec du gel hydroalcoolique. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer. J'ai décroché l'œuf pourri et j'ai détaché les deux petits œufs. D'accord? Donc, là, je repose ma caméra. Je me redésinfecte les mains puisque j'ai touché l'œuf qui était vraiment pas terrible. Voilà. Donc, je rappelle, dans ma pièce, il fait quasiment 30 degrés, hein, parce que j'ai le soleil qui tape sur la vitre. Donc, voilà. Donc, je vais remonter. Donc, là, je pense que j'ai un petit laisseur. Alors, attendez, est-ce qu'on le voit là? Là, vous voyez sa jolie petite tête? Alors, est-ce qu'il sera laisseur et encore autre chose ou pas? On va voir. Donc, là. Je découpe tout doucement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et bon, mon pépère, qu'est-ce que tu es? Bon, c'est un petit laisseur. Je pense que c'est juste un petit. Il est joli. Il est joli comme tout. C'est un petit laisseur. Est-ce que vous le voyez là? Voilà, et je vais le poser dans le truc là. Je vais un petit peu plus ouvrir. Voilà, ensuite on va le laisser tranquillement sortir de son œuf. Voilà. Ici. Bon là c'est vraiment un miracle hein, qu'ils soient en vie ces petits pitons. Comme j'ai dit ce matin en les voyant, c'est le miracle de la vie. Voilà. Et là, j'ai un joli petit clown. Mais clown avec autre chose. Hein. Il n'est pas que clown. Ah, bon, ben on le verra pas tout de suite. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un clown, c'est sûr. Mais après, tout le reste, je ne sais pas. Je pense qu'il a du calicot. Je suis quasi sûre qu'il a du calicot. Voilà.
je vais un peu agrandir l'ouverture. Voilà. Ah oui, calico. On dirait bien un calico clown pastel, ce qui est vraiment joli. Alors, je vous les remontrerai tout à l'heure. Et le dernier œuf qui n'est pas ouvert, je vais le regarder. Voilà, j'ai personne pour m'aider à la caméra aujourd'hui. Donc, j'ai pincé le haut. Voilà, je fais une petite ouverture ici. Et qu'est-ce que ça va être? Secret. Alors, on va voir. Mon pépère. Oh, je crois bien que c'est encore un clown. Oh oui. Oh oui. Oui, oui, oui. On a du clown. Ouf, clown. Je pense que j'ai un combo. Calico, clown, les sœurs, pastel, probablement. À vérifier quand il sera dehors. Regardez bien. Voilà. Je vais reprendre la caméra. Attendez, je m'essuie les mains. Je reprends la caméra. Je désinfecte un petit peu. Voilà. Alors, je reprends ma petite caméra. Là, il y a bien du soleil dans cette pièce. Donc ici, je pense que nous avons un clown laisseur. Peut-être pastel. Non, calico, pardon. Calico, clown, pastel, je pense. Mais ici, il me semble bien que j'ai le combo. Calico, clown, laisseur, pastel. Je suis quasi sûre. Après, à voir avec des personnes qui pourront m'aider. Et ici, j'ai peut-être un laisseur pastel ou un laisseur... il faudra le voir dehors, lui. J'arrive pas à voir. Regardez, il est bien clair pour un laisseur. Donc, c'est ou clown laisseur ou clown pas clown laisseur, pardon. Calico laisseur ou laisseur pastel. Je sais pas. Voilà, on verra dehors. Une fois qu'il sera sorti, il est peut-être calico. Il est peut-être calico laisseur pastel. Bon, c'est un peu difficile de dire tout de suite, hein. Bon, en tout cas, j'ai du beau. 2 clowns sur 3 œufs qui restaient. Franchement, j'ai un bon karma, on va dire. Et donc, c'était la seule ponte que j'ai eue, là, pour cette année, puisque ma Butter Spider n'a pas daigné pondre. Elle pèse 3,5 kg, donc si ça se trouve, elle va me faire une ponte tardive. Voilà, elle est magnifique, je vais vous la montrer, Butterfly. Regardez là, à 3,5 kg, c'est ma plus grosse. Tiens, elle vient me faire un gros pipi, il va falloir que je nettoie. Vous la voyez, c'est une merveille. Voilà, ensuite, c'est tout pour cette année. J'ai arrêté les... puisque je vends une partie de mon cheptel. Donc, pour ceux qui suivent aussi mes vidéos, qui me demandaient... enfin, qui étaient déçus que j'arrête et tout, en définitive, ben, je vais garder 3 femelles et 2 mâles. Donc, je garde la maman de ceux-là, c'est-à-dire ma clown pastel, avec mon clo-clo, le calico laisseur et clown. Et je garde ma clown cinnamon. Possible être clown, et je garde aussi ma Butter Spider, puisque je voudrais faire encore du leucistique avec Clo-Clo que je mettrai, et je garde aussi mon GHI qui vient de me faire une mue, Mowgli. Alors Mowgli, il est GHI Black Pastel Green Pastel, il est là. Donc c'est un GHI
le nom exact, c'est Lass Blackback. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, ben, likez un maximum ma vidéo parce que vraiment, on a 3 petits rescapés. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Là, vraiment, regardez ça. Je vais aller regarder tout de suite ce que ça me dit. Mais bon, je pense que ici on a le combo. Et là, j'ai peut-être le calico clown. On va voir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous souhaite un bon samedi, bon dimanche, bon week-end. À bientôt. Au revoir les amis.